Aujourd'hui, les juges de la haute cour du Sindh ont accepté la requête de M. Musharraf, demandant que le mémorandum, selon lequel le nom de M. Musharraf est inscrit sur la liste de contrôle de sortie du territoire, soit abrogé par le tribunal. Je suis plus que satisfait du jugement rendu par la haute cour du Sindh. Je pense qu'il est en accord total avec les principes de la Constitution et du droit international. Tiens,